Mois de mai, préparation de nos salines, un atout très important. Hi! Hola! Saline 2023. On a eu un peu de misère, les castors nous ont fait la. Ils ont barré ça assez haut cette année. Fait que, il a fallu que de faire la dame à castor. Vois-tu là, ma souffle là, elle va se vider assez vite là, parce que je vais revenir bientôt pareil. Fait que je mets bien du stuff quand même. Un sel himalayen. Un autre bloc là, de la jam aux bananes, de la jam d'anis, des roches de soufre. Roches de soufre d'être là. La poudre de soufre que tu garoches un peu partout pour les attirer. Du crack d'anis, puis d'autres sels minéraux avec des sels de. Deux sortes de sels minéraux, tout. Ça fait des belles salines. Le 22 septembre, aujourd'hui, l'ouverture de la chasse à l'orignal. Mon chum Alain, son gars Alex, et voilà Mathieu, bébé mousse, puis Coco qui s'en vient derrière. Il veut que je passe, ok. Fait que, c'est ça, c'est l'ouverture de la chasse matin, pas matin, on a dit à midi, là, mais on va commencer à chasser après-midi, là, si on a le temps. Fait que, sinon, ça va aller demain matin, mais. On va être aujourd'hui. Premier matin de chasse, j'ai la chance d'apercevoir une belle femelle avec son veau. Ils vont traverser le lac au complet. Vraiment beau à voir. On est lundi le 25 septembre. Une autre belle journée à matin, c'était super beau. On a commencé à casser samedi, moi j'ai vu une femelle bien beau qui a traversé le lac. Mes chums et d'autres, ça n'a pas bougé de leur côté. Hier, personne, ça n'a pas bougé nulle part. Fait que, mais des vraies belles journées, on ne peut pas demander mieux, ils ne ventaient pas. Aujourd'hui, on a un peu de vent, mais c'est quand même une super belle journée. J'ai entendu tout à l'heure au radio un peu, ça ne poignait pas fort, mais. Alex a eu de l'action, je pense, ce matin, puis
Coco, il attendait des choses en avant de l'autre. Fait qu'on va savoir plus en arrivant qu'en soir. Là. Fait qu'à date, on a une très belle semaine de chasse. Là. C'est vraiment beau. En étant chasseur, on a souvent la chance de voir des beaux levers de soleil comme celui-ci. Alain nous montre dans le Bouchard un beau lever de soleil. Ce matin-là, il était splendide. Mercredi, milieu de la semaine. Moi ici à ma place, ça bouge pas pantoute, aucune réponse à date. J'ai vu une femelle pinbeau le premier journée, qui ont traversé le lac. Puis après ça, rien pantoute. Mes chums et d'autres à l'autre bout, ben ça bouge pas mal. Depuis deux jours, là, il y a deux femelles au moins qui me disent un veau, puis il y a un ou deux bocs qui sont en plein route, écoute, ça hausse entre eux autres, puis ils sont vraiment dans l'apogée du route, puis j'espère qu'ils vont finir en bout de faire sortir le boc à soir, parce que ça ne dure pas longtemps, l'apogée du route. Je ne suis pas trop inquiète, mes deux chums, Alain et Mathieu, c'est ces deux bons colleux, fait que je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose avec ces animaux-là. De Coco et Alain, ben d'autres. Alex, vous savez, Coco et Alex, ils en ont attendu, c'est lundi, mais les autres non plus, ils n'ont pas été capables de faire sortir. Fait que les sanitaires sont vraiment d'un bouchage. Alain a trouvé une belle souille et un beau grattage.
écoutez ces gars. Il vient de tuer le bouc dans la rue. Et la nature, il faut qu'elle se fasse. Regardez ça. Ils sont pas contents après moi, je te le dis, moi. Vraiment pas. Hey, c'est un beau bouc. Regardez ça. Il était du vieux, là. C'est ça. Beau boc. Je sais pas si ça marche, mais il devrait se prendre en sourire avec mon boc. Hey, merci. Merci, Pat. Merci à tous mes copains, chasseurs aussi. Puis, juste vous dire, ben, c'est ça. C'était à mon tour cette année, j'ai dit, je vais lui donner ça pas mal. Puis, ouais, 60 ans. Est-ce qu'on y est vite? Excusez-moi, le motif, c'est avec mon gars. Je suis content que ça aille vite quand mon gars est là. Écoute, c'est... On a des morts du trace. Merci. Merci pour ta nourriture. Puis, c'est une bête que je respecte énormément. Donc, merci. Merci, David. Merci. Hey, les gars, je vais aller vous chercher, là. Merci. C'est le pleurnicheur. C'est ça, 60 ans. On vient broyard. Non, vieux, on s'en vient à grand coup. T'es assez content, là. C'est bien pour toi, mon homme. Voyons donc, tout proche de même, oh, ouais, c'est pas dans la tabarouette. Hey. Ah, ben, c'est good, il est-tu dans le bûcher en bas ou il est en haut? On va essayer de aller, on décolle puis on s'en va te trouver. Dans le bois dense, là. Tu l'as filmé, putain? Non, j'ai pas pu le filmer, okay, sacrément. Okay. J'ai pas pu le filmer. Écoute, ça... parce que là, moi, la manière que c'est arrivé, là, à matin, quand toi, tu sais, tu m'avais dit, là, on va te tuer. Ben, oui. Là, ça fait une couple de fois qu'il nous niaisait. À matin, tout de suite, en arrivant, j'ai collé. Puis, le premier call, hey, mon vieux, les femelles, ils se mettent, ils étaient encore là, les mots. Hey, là, ça a bugué. Là, à un moment donné, j'étais monté dans le camp, j'entends. Oh, tu t'es dans le cache? Dans le cache. Ah, putain, là, je commence à coller encore tout ça. Là, j'attendais à casser des branches, puis il était, tu sais, c'était ça, écho au matin. Fait que là, oui, j'attendais à casser les branches tout ça. Là, à un moment donné, je fais, oh, yes. Je recolle.
continue à coller tout ça là. Il commence à te plaindre tout ça. Fin son, il répond pas. Ben, j'ai dit mon estime matin, je t'ai identifié, je sais où ce que tu es. Là, je pars. Je pars. Écoute, je marchais, j'attendais les vaches là. Ben tu rentres de même, puis ça vire là, puis ça s'en va en descendant après ça. Plus loin, là. Ben direct là, moi je rentre direct là où j'ai vu mes femelles, puis les femelles de pivot là. Fait que là, je dis va rentrer là, c'est là que j'attendais. Fait que je pars, je m'en vais, puis je descends là. Tu rentres tranquillement. Mais là, avant mon câble, je dépose mon câble, il dit ça va frotter, puis tout ça. Je m'en vais, puis je commence à faire le bas, tu sais. Avec le panache, je frottais tranquillement. Il me répondait pas, les femelles répondaient, tu sais. J'ai dit, bon, tabarnak, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Hey, j'ai dit, c'est un gros pissou, il y a quelque chose, tu sais. Mais là, à un moment donné, j'ai entendu, c'est comme un. Là, d'après moi, j'ai passé, j'ai trouvé sa souille. J'ai mis de l'urine dedans. Oh là, je pense qu'il n'a pas aimé ça. Fait que là, je suis sûr que c'est. Il envoyait comme des. Ouf! Là, je dis, c'est une femelle qui fait ça. Là, je continue. Ouf. Je me rends à la crack. Les autres s'en venaient sous moi et j'ai dit, Asti, je voulais pas avoir les femelles. J'ai dit, il va en rouler là, 3-4, Asti. Puis là, à un moment donné, t'es pris avec ça. Là, puis, tu sais. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, faut que j'essaye. Mais t'étais rendu proche, fait que. Ça, c'est une autre femelle. Ah, maudit bon. Là, je m'avance encore tranquillement. Hey, là, je le vois pas, je vois les barres. Là, il arrête. Là, mon nez, t'es rendu à sa poche. J'ai dit, Asti, je m'en reviens là-bas. Mais c'était accroupi. Chris, il était peut-être ici à la chaîne. Oh, ouais. Mais il était dans le salle, il ne fait pas le tirer. Je voyais le panache, je voyais rien que les oreilles, tout ça. Là, tabarnak, il ne fait pas tirer ça. Là, je me disais, oh, c'est ça. Hey, je pose ma bouteille. Puis, ça fait ça. Hey. Ça a pris peut-être 30 secondes après ça. Là, il part. Hey, puis il y a un odeur de drette là. Asti, ça arrêtait. Il brasse ça. Hey, c'était impressionnant, il est drette là. Là, il s'est avancé, à un moment donné, il s'est avancé, il arrive. Je l'ai tiré peut-être d'ici à. Ben, d'ici au Bessie Caco. Ben, t'as la main. Là, il s'est avancé, j'étais accroupi de main. Là, il fait. Là, puis là, mon. Parce que c'était un shot clair, c'est la seule place que j'avais. Asti, en deux heures. Il arrête drette là, de même, puis il servait. Je me suis agréé, boum, Asti. Hey, puis là, quand il est parti, là, j'espère qu'on pousse mon bord. Il n'y avait rien, là. Hey, puis là, j'étais pogné comme dans une touffe. Il a reviré de bord, puis il a retourné, puis il a tombé peut-être. Je dirais, où je l'ai tiré peut-être 100 pieds, 50 pieds, 75 pieds peut-être maximum. Ouais, ça. Ah, en tout cas, un esti de belle chasse dans le bois. Ben oui, t'es dans le bois, c'est encore un peu spécial. Ben, il fallait le pogner là parce que. On s'en vient voir notre ornière, il a l'air tiré tantôt. Alors là, c'est un beau voc, on a hâte de voir ça. On va voir. La grosse tache noire là, c'est pas un porte-pique, non, c'est un ornière. Oh, tabarouette! Hey, t'es un beau voc! Collé, ça, non? Hey! Un beau voc, ça? Tabarnak, hein? Vraiment, il est gros. Ah, t'es un beau voc en maudit. En tout cas, les gars, c'est le fun. Wow! C'est beau, mon vieux, là. Un vrai beau voc, gueux. Tabarnak, hein? Je l'ai dit, c'est pas un bébé, là. C'est un beau voc, ça. C'est les poumons, hein, gars? Ouais. C'est ça que ça fait. Ah, il sent. Ah, il sent, tabarnak, il sent-tu quand on arrive là. Ouais. Ouais, chasse 2023. Belle chasse ce matin. Il était quoi, 7h25, je pense. 7h25, ouais. Un matin, il m'a donné du fil à retordre toute la semaine. Écoute, il commençait à désespérer. Puis là, hier, Mario était venu avec moi, puis on n'avait rien entendu. Il n'y avait plus rien. Un matin, j'étais un petit peu découragé, mais. On le sait, moi, que Mario, il ne faut jamais être désespéré. C'est jamais fini tant que c'est pas fini. C'est vrai. C'est vrai, ça. Un matin, le premier coup de corps, les femelles ont commencé, puis whoop, j'ai attendu. J'ai dit, Asti, t'es encore là. Fait que là, j'ai essayé de coller, il a arrêté de coller net, mais j'ai dit, je prends pas de chance un matin, je m'en vais dessus. J'ai rentré dans le bois, j'ai tout fait mon petit scénario, tout ça, et collé, puis je m'emmenais, puis je faisais le bas, il n'a pas mordu sur le bas pendant tout. Puis après ça, ben,
Là, j'ai dit, les femelles étaient sur ce côté-là. Puis ils beuglaient, là. Écoute, c'est quasiment épeurant. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, qu'il va envoyer un petit coup de femelle. Il a mordu sur le coup de femelle. Mais avant ça, il m'avait lâché deux gros souffles, comme des ouf! Ouf! Puis là, il était plus là-bas. Fait que j'ai dit, oh, c'est un bug, ça, c'est sûr. Ça peut être les femelles, qui sortent de son. Fait que là, en tout cas, j'ai fait mon coup de femelle. La femelle, en tout cas, il a mordu dessus, mais c'est impressionnant, ça s'en vient à travers le bois, le cric, crac, crac. Quand il arrêtait, il a donné un petit coup. Il a... Là, je l'ai vu apparaître en avant de moi. À un moment donné, là, je l'ai vu, là, hey, il se branlait de panache, à un moment donné, whoop, il sentait, il checkait. Puis là, il a dit, je peux plus coller. Il était peut-être 115 pieds de moi, puis j'étais accroupi. Fait que là, à un moment donné, j'ai pogné l'urine. Je l'ai envoyé un petit peu. Je sais pas si c'est ça. Là, à un moment donné, il a avancé un peu. À un moment donné, si je vois, il est venu le nez en l'air. Là. C'est pour ça qu'il a passé. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, le seul spot que j'avais, il y avait une belle éclaircie. J'ai lâché un coup de bas. Il a arrêté tout de suite. Une chance, parce que c'était la seule place. Là, fait qu'il a arrêté. Puis comme il a arrêté, bang! Fait qu'il n'y avait pas 10 minutes pour tirer, c'était ça. Un beau 40 pouces, fait que... Puis c'est ça. Félicitations à notre chum. Grâce à mes chums, tout ça, là, j'étais content. Vous êtes ici. C'est cool. Le Mario qui filme, faut pas oublier. Mathieu n'est pas ici, c'est triste. Mathieu, il arrive dans pas long. C'est ça. Fait que la chasse, ça se fait vite. On l'a tout le temps dit. Mario, ça se fait bien vite. Puis cette année, c'est à mon tour. C'est vrai de ça. C'est à mon tour, puis ça fait des années que... Je laisse ma place, puis je dis, c'est pas grave. J'ai dit, mais cette année, j'ai dit. Ça fait du bien. Ouais, non, mais cette année, j'ai dit, non, j'ai dit, je vais forcer la note un peu, puis je chasse ici, je l'ai préparé. Alex, il dit, ah, papa, je vais aller chasser à l'autre place. Parfait. Il était ici. Mais je pense que ça prend un petit peu d'expérience aussi. Hein. Ben oui, ouais, c'est sûr. Aller chercher, ça prend un petit peu d'expérience. Il était pas facile à sortir, lui, il va te dire, là. Fait que j'étais à peu près tout. Moi, écoute, belle chasse. Là, avec son beau boc. La sortie de la tête. Santé, la chasse 2023, un autre chum ici de Talin. Tireur, une belle chasse. Tireur, une vraie belle chasse. Ouais, un beau boc, un beau petit boc. Tireur d'élite, une balle? Une balle grette au corps, mon ami. T'as pas manqué. T'as pas bien loin, mais il a eu quand même. Une belle chasse. Il aurait pu manquer, parce que c'est trop proche, c'est fourrant des fois. Là. Ouais, c'est plus vrai, puis c'était. La place où j'ai tiré, en plein bois, tu penses trop que c'est facile, là, mais... C'est ça que je dis à Coco tantôt, c'est que il faut... Tu sais, j'aurais pu tirer bien avant ça. Ben, c'est parce qu'il y a bien des chasseurs qui auraient tiré bien avant ça. Ben oui, c'est ça. C'est parce que le problème, c'est que... Normalité. Non, mais c'est parce qu'il voit, il est à face, il... Il y a des branches, il n'est pas bien placé, il est proche, puis tu ne veux pas que tu le laisses faire aussi. Parce qu'ils sont en train de revenir dessus. Alain.
torches à 100 cours parce qu'on vient de tomber dans la deuxième semaine. Fait que là, je suis au Bernard, j'ai pris la place à Coco. Coco, il est parti. Parti un matin. Lui, pas Alain. Parti mener l'Ornial. Coco, il revient pas. Fait que là, j'ai décidé de chasser un petit beau Bernard. Collé quand même un peu, d'un coup qu'il y avait peut-être un bug quelque chose, mais il veut juste pas sortir de suite, on sait jamais. Ils sont pas stressés. Cette mère-là, puis cette veau-là, on les a vus souvent, là. Je les ai filmés et tout. On les a... Je les ai approchés de deux, trois pieds là, de proche. Là. C'est filmé, puis tout. Ils sont rendus habitués de nos heures. Lac McNorton. Les gars sont partis à la chasse ce matin. Puis, au jeu du gain, on va en aller ici. Là, on s'occupe beaucoup de corps, mais c'est pas grave, hein, je parle. Mais écoute, c'est pour. Juste avoir la paix. Tellement beau. Le soleil va se lever dans pas grand temps. On va avoir une journée excessivement chaude en cours, hein, une autre fois. Je trouve ça plate mes chums, là. C'est trop chaud pour chasser, mais je chasse bon heure le matin. On espère demain à soir, on va essayer encore. Je pense qu'il annonce 32, 33 avec facteur humidex aujourd'hui. Ah, il y en a.
cordiale. Ça tombe pas à peu près, mes amis. C'est trop beau. Enfin, une jeune de l'eau dans votre cuir, mais là, on l'a. Ah, là, c'est pas beau. On a une grosse graille, une grosse graille. Wow. C'est vraiment pas joli. Un petit peu notre chasse cette année. Je devrais le faire à tous les jours parce que veux pas, mais 60 ans, je commence à oublier des fois. Mais c'est rare pour ça, la chasse, ça, c'est assez rare. C'est ça. J'ai mon téléphone, je checkais les dates. C'est sûr qu'on est rentré. La chasse a commencé, on arrive ici le 22, on a commencé le 23. Le vendredi, on va souvent inspecter. On chasse dans l'après-midi un petit peu, mais on va plus vérifier ce qui se passe sur notre territoire. Fait que ça, le 23, on a commencé. Alex est en allé à sa place. Moi, j'étais dans une place à Coco. Mario, il était à sa place au Gérald. Mathieu, il était à mon ancienne place, tout ça. Fait qu'on était tous. Coco, il était au Bernard. Fait que tout. Aller jusqu'au. Je dirais, moi, tu sais, comme c'est là. Là, je ne suis pas dedans. Le 23. Aller jusqu'au lundi, il ne s'est rien passé. Alex, il dit pas, il dit j'aimerais ça voir l'ancienne place à Coco. Parfait. Je dis, je vais aller te mener là. Je vais aller te montrer cette place-là. Il dit, je vais venir ça chasser là. Ben, il dit, parfait, je vais m'en aller me charger. Fait qu'on n'avait pas eu de réponse à rien. Le lundi soir, Mario, la seule chose, Mario, le premier matin de chasse, a filmé une femelle et un veau. Qui ont traversé en âge, tout ça, mais pas de réponse, pas rien. Personne n'avait eu de réponse, ça grouillait pas, c'était complètement, ça grouillait pas. Puis, on ne peut pas chialer contre la température, les matins frais, la journée à peu près on parlait du 20, 21, 22, là, tu sais, c'est, en tout cas, il faut dealer avec ça. Fait que, là, c'est ça, le lundi, moi, dans le bûchage, j'ai commencé à avoir des réponses. Ce soir-là, en plus, c'était des femelles, des. En tout cas, toutes sortes de. C'était des bœufs, des beuglages épouvantables, en tout cas. Ça a commencé, mais c'était comme un petit peu loin, c'était pas. Puis, à un moment donné, j'ai entendu. Ah, ben, vierge, j'ai dit, on est bas, tu sais. Fait que le lendemain, je me suis collé là, c'est qui tombait le mardi matin, puis là, j'ai donné ça, là, tu sais, j'ai donné pas mal, puis
En fin de compte, je l'attendais, j'ai dit, puis j'avais mis ça, je voulais faire un film. Tu sais, j'ai dit, on est tous pareils, on veut s'amuser, je voulais faire un film. Fait que ça a arrêté de faire. Pour tous les films que j'ai manqués, puis là, j'ai dit, je vais peser sur le record, c'est à coup ici, puis je vais, tu sais, fait que là, en tout cas, installe ça, place ça, tout ça, puis en tout cas, ça n'a pas marché. Les femelles étaient avec, j'ai vu qu'il y avait plusieurs femelles, puis je n'étais pas capable de rien... T'sais, on pense toujours qu'il est plus proche, mais qu'est-ce que j'attendais à craquer? Je pense que c'était plus les femelles qui étaient entre eux autres. Puis il a dit, en tout cas, fait que ça reste comme ça. Fait que le mardi, la même affaire. Le mardi soir, les gars n'entendent rien. Je compte aux gars qu'est-ce qui s'est passé. Mathieu dit, hey, je vais aller avec toi. Fait que, non, il est venu même avec moi le mardi soir. Le mardi soir, tout ça. Fait que, il est venu coller. On a essayé. Ça s'est rapproché. Ça a pas marché notre affaire encore. Des femelles, ils la retiraient tout ça. Fait que Mathieu, ça c'est le mardi. Le mercredi, la même chose. Même assez que moi, j'ai parti, puis j'ai dit, je vais aller voir le mercredi. Là, il s'abeuglait. Assez qu'à un moment donné, on dit, on va l'avoir, on va les avoir tout ça. Moi, Mathieu faisait la femelle en bas. Moi, je faisais. Là, j'ai commencé à faire le boc, puis Mathieu, il se plaignait en bas. Plus vers la saline. Moi, je faisais le boc. Puis, écoute, il réagissait. Mais il réagissait, mais il arrêtait. À un moment donné, toc, il arrêtait net. Là, j'ai dit, il va falloir que j'aille dessus, tout ça. Mais il était dur à localiser. Il se naît plus en arrière. Les femelles, ils venaient tellement de train que on les attendait en avant. Fait que là, moi, j'ai parti, puis j'ai descendu. J'ai dit à Mathieu, récite le soir. J'ai dit, puis il a continué à coller dans la cache. Moi, j'ai descendu, je me suis en allé. C'est là que j'ai vu mes cinq orniales. J'ai arrivé sur la femelle. Je les attendais dans le bûcher, un petit bûcher. J'ai rentré, j'étais voir. En allant voir, j'arrivais sur la femelle et le veau. Fait que là, à un moment donné, je ne croyais pas. Puis là, je m'en allais, puis je faisais cassais quelques branches. Puis, là, ils ont juste sorti, puis ils sont venus voir. Mais le temps que je regardais eux autres, à un moment donné, j'entends, tu sais, j'entends ça dans le fond. Je dis, ben voyez-vous donc que c'est ça. Fait que là, j'aperçois. La femelle, une grosse femelle, elle sort, je la vois sortir. Elle est à peu près 600 pieds. Elle sort en bas. Oups! Suite, un autre. Mais là, l'autre, il commençait à faire. Je pense qu'il était rendu 7h15, je ne me trompe pas, 7h15, 7h20. Fait que, tu sais, la noirceur s'en venait. Fait que, tu sais, à 600 pieds. Fait que là, oups! Et là, je suis aperçu, je dis, oh, ben, vierge, il y a un panache. Parce que je pensais que c'était une femelle, tu sais, il y en a qui ont la grosse tête, puis grise, tout ça. Mais quand il se servirait comme ça, j'ai vu qu'il y avait un panache, il y avait des palettes. Fait que là, il a juste passé. Puis là, je suis venu à bout de lever la carabine, j'ai checké, mais, tu sais, à 600 pieds, il était d'eau, j'aurais voulu que je prenne un coup, puis je voyais sa shake-up, puis debout de même. J'ai dit, tu peux pas faire un tir niaiseux de même. Fait que ça a juste disparu, puis il est rentré au côté. Puis là, whoop, suite après, il en sort une autre grosse femelle derrière. Fait que là, ça faisait 5 que je voyais. Je comptais à Mathieu, là, tu sais, un peu découragé un petit peu. Le jeudi, on en retourne là. Écoute, il nous répondait pratiquement plus. Un ou deux petits coups, et c'était là. Puis pendant ce temps-là, les gars, Coco, puis Alex, attendaient une femelle se plaindre. Eux autres en avaient. C'est la sélection qu'on avait comme c'est là. Là, à un moment donné, le jeudi, on s'en va là, puis refaire un peu la même stratégie, blablabla. Fait que là, j'ai dit, écoute, on va s'amancher quelque chose. Fait qu'on commence à coller tout ça. Moi, je dis, je pars, je dis à Mathieu, tu colles. Moi, je pars dessus, puis j'ai dit, s'il répond moindrement, le jeudi matin, je dis, je pars dessus. Comme des fêtes, je pars, puis je descends. Puis je les attendais à beugler, puis là, j'ai descendu, puis j'ai arrivé à un moment donné. Puis la femelle était... Bien, je les attendais. Fait que là, je rentre dans le bois, puis cric, crac, crac. Puis tu sais, je fais exprès, là. Crawl, crawl. Puis tu sais, avec le panache. Ça n'a pas pris 10 minutes. J'étais juste rentré dans le bois. À un moment donné, j'entends. À un moment donné, j'ai dit, oui, c'était comme même c'est un petit veau, là, tu sais. Puis là, à un moment donné, whoop. Puis là, c'était en avant de moi, là. Là, ça se plaignait. Là, je continuais, je faisais le bas. Là, je voyais que ça emmenait vers moi. Mais là, j'ai dit, OK. Là, c'est dans le fin fond, c'est des femelles. Là-bas, je dois être avec. J'ai aperçu une tache noire. Je commence à checker. Je vois la tache noire. Ah, oh, c'est une femelle. Elle sort 75 pieds de moi. Elle traite là. Elle sort, elle s'en vient comme ça. Oh, une autre tache. C'est
le veau. Le veau sort d'arrière, ils s'en viennent. Ils ont passé, direct au côté de moi, peut-être, je sais pas moi. Écoute, elle s'est emmenée à 10 pieds de moi, elle était direct là à passer, je l'ai laissé faire, à passer. Là, je dis, elle va me sentir, mais quand elle est arrivée derrière moi, j'avais de l'urine, de mâle, du boc à Mathieu, il y a 2 ans. Elle m'a suivi, après ça, je m'en allais en collant dans le bois, c'est de la plus belle expérience que j'ai jamais eue. C'était un plaisir. Je collais, je m'en allais en marchant, en collant, dans le bois. Puis j'avais une femelle pimpot qui me suivait assez, que des fois, il fallait que je garoche un bout de bois, puis j'avais peur qu'elle me frappe. Elle était rendue tellement proche, je garochais, je la frappais dans le poitrine, elle m'a dit, va-t'en, tu sais, décolle, laisse-moi de l'espace. Puis elle n'était pas agressive à rien, mais, tu sais, parce que je chantais l'urine, tout ça, puis il fallait pas que je fasse le bas. Quand je faisais le bas, elle s'en venait tout de suite sur moi ou monter le panache, il fallait pas que je fasse ça. Elle m'a suivi peut-être 800-900 000 pieds dans le bois. Puis à un moment donné, j'ai pogné un autre petit chemin, puis j'ai traversé vite fait. Là, j'ai dit, ça va bien me foutre la paix, tu sais. J'ai dit, c'est bien beau, là, mais là, j'étais correct avec ça. Le soir, on a retourné, on a collé, pas une réponse, pas rien. On était découragé un petit peu, j'ai dit, oups, on a peut-être manqué notre chance. Là. Bon, on venait de voir que je parlais tout seul. J'étais rendu au jeudi avec Mathieu. Ouais. Puis c'est justement quand moi je me suis revenu, en plus de ça, Mathieu, j'arrivais le jeudi à sa cache. La femelle était là. Elle était justement là quand j'étais voir le soir. Bon, j'ai retourné dans le bois le soir. La femelle était au rat Mathieu. Écoute, il envoyait de l'urine, elle était drette là. Fait que moi, quand j'ai arrivé, là, j'ai été faire la bêtise. Moi, je m'en viens. Niaisette, t'as peut-être petite hachette, là. Fait que je m'envoie push-push, puis envoie 2 shots d'urine. Elle s'en vient sur moi. Je les ai grimpés les marches, je vous le dis, là, de la cache, là. Elle s'en venait en 5 grammes. Fait que là, il fallait s'en aller, nous autres. Mais là, elle nous suivait partout. Elle ne laissait pas débarquer. Fait qu'elle sait que je dis à Mathieu, on va descendre les deux, puis là, on partit bien tranquillement, puis je fais allumer la spot, puis il dit Hey! Tu sais, là, à un moment donné, elle s'est calmée. Fait que, en tout cas, ça a resté comme ça. Mais à bout de se sauver, s'en aller. Le vendredi, c'est Mario qui est venu, il est venu coller, puis moi, c'est ça, j'ai retourné, puis Mario, mais il a filmé une femelle d'après-midi, il va être 10h, il était pas tout à fait 10h, je pense, 10h moins quart, ou 10h moins 20, ou en tout cas, ou à 10h et quelque chose, mais il a filmé une femelle pinvaux. Fait que, en tout cas, ça reste comme ça, puis il n'y a pas rien qui se passe. Les gars, ils partaient, eux autres, Alex puis Coco, eux autres partaient samedi après-midi. Fait que c'était, tu sais, puis la semaine de chasse finit le vendredi, et pas le vendredi, le samedi midi. Fait que là, j'ai dit, on va lui donner une bonne poune, tout ça. Mais là, qu'est-ce que tu veux, la chasse, c'est la chasse. C'est vraiment fini tant que c'est pas fini. Dites-vous, Yogi Berra, tu disais ça. Fait qu'il faut pas jamais perdre espoir, c'est ça. Les gars vont perdre espoir, je ne dis pas les gars Mario, Coco, comme Mathieu, Coco puis Alex, ils avaient perdu un petit peu espoir, fait que c'est ça. Mais tu sais, Alex dit « Ah, ben là, il n'y avait rien, tout ça. » Moi aussi, on vient qu'on perd tout espoir, mais il ne faut pas, c'est faux pas. Fait que là, je m'en vais là le matin, je cale quelques branches en arrivant, je cale, fait que, en tout cas, j'entends une réponse une femelle qui commence à se plaindre, puis c'est ça. Fait que, continue, je commence. Hey, j'entends. Ben, tabarnak, j'ai dit, là. Là, je continue à coller, je dis, je vais l'accrocher. Il répond que coup, là, il finit. Je continue à coller. Là, il me répondait, puis pantoute. J'ai dit, mon 5. Alors, je débarque du cache, de la cache. Je me mets de l'urine, tout ça. J'ai dit, faut que je m'en vais dessus. J'ai dit, j'ai rien à parler. Fait que là, j'ai dit, ça fait toute la semaine qu'il me niaise. J'ai dit, écoute, j'ai pas le choix. Là, il veut pas sortir. Puis il y a ses femelles. Il veut rester là. Je descends. Là, je pars. En arrivant là, je viens pour rentrer dans une bouche. J'avais mon cornet, mon câble, carabine, tout ça. Fait que là, j'ai dit, pas besoin du câble. Je vais le placer là. Puis je rentre, quick, crack, crack. Puis je commence à faire le bas. Tu sais, je frottais le panache tranquillement. Pas agressif. Juste frotter le panache tranquillement. Puis, puis crac, crac, j'arrêtais, puis crac, crac, continuait.
Hey, là, les femelles étaient sur le côté droit, puis ils s'emmenaient, puis ça se rapprochait, puis crowd, creak, crack, puis là, j'ai dit, ah, on va être pris en compte les femelles. Mais là, sur le coup, j'ai dit, le bac répond pas, il doit être avec les femelles. Fait qu'il a dit, au pire, s'ils sont autour de moi, puis le bac sort derrière, tu sais. Mais là, pendant ce temps-là, quand j'attendais eux autres, j'avais rien entendu ce bord-là, j'entends, ouf, ouf, deux coups de... Tabarnouche, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, j'ai dit, ça peut être une femelle. Mais là, je pense, j'avais trouvé une souille le vendredi en sortant, puis j'avais trouvé un cornage. Il faisait sombre, j'étais en train de sortir du bois, puis à un moment donné, j'arrivais là-dessus. Ben, dis, comment on a ça? Hey, une belle grosse souille, puis je l'ai pris en photo, je l'ai tout pris en photo, je l'ai filmé. Il y avait un cornage après un autre, pas près gros de même. Fait que j'ai mis de l'urine dedans, tout ça. Puis là, j'avais mon GPS dans les mains, puis je check, puis je dis, oh, ben, dans mes poches, là, je l'ai sorti. J'ai dit, c'est drette vis-à-vis. J'étais à peu près 300 quelques pieds de cette souille-là. Puis c'est nu à peu près drette de là. Là, à un moment donné, j'ai dit, je vais changer de stratégie. Les femelles s'en viennent sur moi quand je fais le bas. Puis j'ai dit, je fais une femelle. Fin. Femelle avec le veau. Avec le veau. Je fais que faire ça. Hey, tout de suite. Ouf. Ouf. Hey, là, j'entendais croc, 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 puis ça en est, puis croc, crac, croc, puis là, tout de suite, quand il arrêtait, faisait le veau. Écoute, il s'est emmené, là, je l'ai vu sortir. Quand je l'ai vu sortir, t'as peut-être, ça, c'est pas au moins 75, 110, 75, 80 pieds de moi, là, même plus proche que ça, mais il était, je voyais la tête, il était dans les branchoïdes, tout ça, puis je le voyais, là, il se brossait. Tu sais qu'il y a des gars qui auraient pris une shot, qui auraient dit, mais tu peux pas tirer sur un bon animal de même. Puis il faut tailler un clean shot. Je suis fait de même. Écoute, j'aime autant manquer ma chasse que tirer. Puis, fait que là, tout de suite, je me repars, je fais encore le veau, il part. Hey, il s'en vient de côté de même. Puis là, il était encore trop dans le sale. Tu sais, j'ai des arbres, des épinettes, tout ça. Ça, je vous dis, j'ai pas eu le temps de me placer à une place que j'avais une clean. Ça allait arriver tellement vite, j'étais là, j'étais j'ai dit, Chris, je tire un ornial ici, je vais le tirer à bout portant. Comme de fait, je l'ai tiré peut-être à 25, 30 pieds. Écoute, il est arrivé, il semblait de côté de même à moi. Drette de côté, drette là, écoute, le haut trailer. Fait que là, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait, une éclaircie, une petite éclaircie. Tout de suite, quand il est arrivé vis-à-vis ça, il s'en venait. Là, il était primé. J'ai fait. En faisant ça, il a arrêté, il s'est reviré pour me regarder. Il regarde, je vois du poêle, j'étais à 3. Je savais que je m'avais mis au plus bas. Je vois le coffre au complet. Fait que je fais de descendre, je vois sa patte, je lève vis-à-vis la patte, pouf, poussé le coup. Ça revirait de bord, ça, c'est parti. Mais il n'a pas parti en peur. Il a viré vite fait de bord, il est parti, tu sais. Là, on veut pas, on est là. Puis... passé de le ralentir pour là, j'ai recrinqué, mais tu sais, je voulais pas y tirer, il était comme le cul, puis il s'en allait là. Là, je voyais qu'il chambre en l'air, je le voyais, puis là, j'attendais, ouh, ouh. Puis là, je savais, j'ai dit, j'ai chaud au poumon, puis il a fait 115, 80 pieds, puis j'ai cru l'entendre verser, je pensais qu'il continuait, mais il avait versé direct là. Puis là, j'attendais, il se débattait, fait que là, j'ai avancé bien tranquillement, j'ai réalisé qu'il était tombé. Fait que, tu sais, puis je faisais encore des orniales qui se plaignaient, tout ça, puis j'ai avancé tranquillement, je l'ai vu, il était déjà tombé. Fait que je me suis avancé tranquillement, tu sais, puis tu veux pas qu'il se relève, tu veux pas qu'il souffre non plus, mais c'était déjà fait. Quand j'arrivais au rat, il était en train de mourir, c'était fini. Fait que là, c'est ça, j'ai appelé mes chums, j'ai fait un petit, je sais juste vous dire, mais c'était une de mes belles chasses, une de mes très belles chasses. J'ai des astuces de bon chum de chasse. Alors, c'est un travail d'équipe. Cette année, c'était à mon tour, je l'ai dit. J'ai dompté les gars, pas Mathieu, Mario. Mario, c'est un vieux chasseur. Mathieu, c'est un nouveau. Coco, Mathieu, mais ça va être extrêmement bon chasseur. Veut dire, écoute, le jeune apprend, écoute, il en mange. Alex, mais il aime ça venir avec nous autres ici. C'est un bon petit chasseur. Il vient ici pour relaxer. Coco, pareil. Fait que tu sais, on est une belle gang. On s'amuse. Puis personne n'est qu'un personne là-dedans. Fait que je suis content. C'est chacun sa.
tu vas à ta place quand ça te tente. Ça te tente pas, reste couché, fais que si tu veux. Mais les gars ici, ils font ce qu'ils ont à faire. Puis on est une bonne gang. On chasse comme qu'on est, puis on aime ça de même. Je voulais juste vous dire qu'on est rendu le mercredi, le 4 octobre, comme c'est là. Les gars, ils ont commencé à chasser. J'ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous tenir des updates. Puis les gars ont commencé à chasser. On a sorti l'orignal. On a tout préparé. Le samedi, on a été chercher le samedi soir. On l'a rapproché, on l'a mis dans la boîte du truck, tout ça, avec les fans, tout ça. Puis après ça, j'ai parti dimanche matin. Où j'étais le porté. Fait que les gars, ils ont commencé à chasser, c'est vrai. Ils ont commencé à chasser dimanche matin parce que nous autres, on est parti. Puis, c'est ça. Depuis ce temps-là, la seule affaire, il fait très chaud. Ils n'ont pas de la belle température, je vais vous dire. Ils ne sont pas chanceux, là, Mathieu et Mario. Ils sont vraiment pas chanceux. C'est pas de la belle température. Moi, je suis rentré l'après-midi, le dimanche. C'est sûr que. Je me promène, tu sais, j'ai plus de carabine, j'ai ma caméra, je m'amuse, tu sais, puis là, je récite parce que les gars, s'ils frappent, j'ai tout préparé, là, tu sais, les fans génératrices, tout ça, les toiles, le sozal, tout ça, j'étais maniaque de tout ça, même je chasserais plus, mais c'est pas vrai, là. Faut pas que je dise que même je chasserais plus, j'adore chasser, j'adore, mais après, j'ai frappé, je suis content, ça c'est moi, ça c'est quelqu'un d'autre, ça me dérange pas du tout, là, on est écoute, on adore ça. Je suis aussi content quand c'est un autre qui frappe. Mais comme c'est là, les gars sont pas chanceux. La température est vraiment pas belle. Fait que je vous dis, dimanche, lundi, c'était chaud aussi. Là, mardi, hier, ça a monté. Écoute, les 17, si je me trompe pas, je pense que c'était à 27 à l'ombre au chac, sur la galerie, tout ça, 27, 28. Fait que là, ils annoncent encore la même affaire aujourd'hui. On est mercredi matin. T'sais, il faisait, j'ai vu tantôt, c'était à 11-12, fait que ça remonte, là, t'sais, c'est sûr que là, le soleil sort, ça va, puis je pense qu'il annonce 32 millix. Après ça, ben, on va avoir de la pluie, ça va changer, mais ça fait rien. Ils n'ont pas de belle température à date. Fait que je vous tiens à update pour les autres journées. Il reste peut-être jeudi, vendredi, je ne sais pas si les gars vont toffer, ou on a le droit jusqu'à samedi midi. Mais là, ils annoncent bien de la pluie tout de suite. On va regarder. Je dis qu'on a un à terre, on va voir. Là, tu sais, c'est pas. Mais une chance, parce que la deuxième semaine, c'est de la merde. C'est pas plaisant de chasser à des 30 quelques degrés. Les orignales sont pas réceptifs. Ça grouille pas, c'est normal. Il fait excessivement chaud. Fait qu'on verra. OK, à la prochaine.